du substitut commissaire du gouvernement, signataire de ce mandat, d'après ce que nous avons vu et constaté sur les réseaux sociaux, son nom ne figure pas dans la liste de commissaires que nous avons au parquet. Eh bien. D'accord? Eh bien. Donc, ça dit que le mandat, ça, il faut et archi faux. Son fake mandat. Oui, en bout de ligne, ça dit que vous-même, ce mandat est faux et archi faux. Mais de côté, bon, ou pas, personne ne peut approcher son question de quelconque mandat quand, et comme ça, pareil, non? Mais cependant, Louko, laissez-moi dire, pour l'opinion publique, et pour tout auditeur capitaine de là, et pour toute publique juridiction que moi-même, moi, c'est mon chef de juridiction, non pas bien, très bien. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est clair. Et mot d'ordre que nous gagnons et que nous entendons suivre, pendant temps à passer dans la tête PACREA, c'est que non à la violation des droits humains, mais non aussi à la violation de la loi. Eh bien. D'accord. Est-ce qu'il y a des plaintes dans au niveau du parquet contre le sueur Réginald de Boulos? Moi, pas en mesure pour le présent moment confirmer lui, mais quel que soit citoyen à un niveau ou à un autre niveau, à quelque classe sociale qu'il a appartenu, quelques couleurs qu'il a gagné, et moi c'est avocat société. Si gon plainte qui déposé, nous prêts pour nous bailler suite, et si gon monde qui victime tout, à quelque niveau que ce soit, nous prêts pour nous bailler suite à ça. Donc je dis à si pour le présent moment, je ne suis pas en mesure pour confirmer rien sous son dimanche. C'est le moins ce que je puis dire pour le présent moment. Donc si tu as gagné, peut-être je dis là. Contre le docteur Réginald Boulos ou même comme parquetier, ou bien vous même vous mettre mandat. Et je ne peux pas confirmer en yem nous parce que je ne suis pas en mesure de confirmer rien sur ça. Eh bien. Donc souffrez pour moi-même. D'accord. Louko. D'accord, chef. Parce que dans une prochaine émission, je vais mettre venu sur d'accord, chef. L'autre sujet, nous allons parler de tout. L'état de santé du parquet avec, et qui j'en prends parquet. Et nous avons marché pour le présent moment très bien. Eh bien. Mais alors et aussi à l'image du pays. Eh bien, eh bien. Et moi demander que pour ta trêve, moi demander solennellement à tout acteur pour ta trêve pour que nous capables faire fonctionner normalement la justice, parce que la Bible dit la justice élève une nation et le péché c'est la honte des peuples. D'accord. Donc permettre que nous trêve pour que nous capables faire parquet à marcher correctement, pour nous faire justice marcher correctement et donner la justice à qui justice est due. Commissaire gouvernement, bonjour, c'est député Tatout Pierre Matin. Est-ce que trêve l'a demandé à aller au niveau sécurité, puisque et en bas, nous avons gagné beaucoup encore un problème d'insécurité grave? C'est qui nous a parlé maintenant, s'il vous plaît? Député Pierre Matin Tatout. Pierre Matin Tatout, oui, député. Non, alors, il est au courant qu'en bas est pratiquement donc, difficile et impraticable en matière de sécurité. Député à son journaliste, c'est ça? Oui, c'est ça, parfait, oui. Député à son journaliste. Eh bien. Et Louko. Commissaire. Moi, nous, que ce député a changé de statut. Oui. Alors, c'est pas. Alors, il n'a pas atteint débat, donc comme journaliste. Ah, ok, d'accord. Ils sont invités le matin débat. Non. Ils sont panélistes le matin débat. On a vu. Ah, ben, et bon, commissaire, allez, bon, c'est bon, bon, bref. Et vous comprenez, nous, il dit qu'on n'a pas de répondre. Il dit qu'on a perdu député, bien entendu, dans tout le monde. Mais qu'elle pense que c'est actuel député. Mais ça qui passe, nous comprenons une petite confusion. Il dit qu'on a pensé, c'est. Son député qui est. En fonction. En fonction qui vient de là. Là, on va pas s'appeler d'où. Ok, on a. Il n'a pas une soupe de responsabilité. Comment député veut poser une question? Oui, et puis, député a tadoué dans le Parlement tout. Alors, commissaire, son député 49e. Très bien. Ok, on a. Alors, comprenez bien, oui. Intervention commissaire Jacques Lafontaine dans l'émission Matin Débat, il n'est pas innocent, il est très important parce que si n'a pas dit que tu as dû avoir une réaction, tu as dû avoir une mesure qui accompagnait dénonciation président de la République, Jovenel Moïse, ok? Parce que pas oublier que l'on finit dénoncer comme chef d'État, d'ailleurs, toute critique qui fait sur les réseaux sociaux contre le président, c'est sur ça. Parce que écoutez, c'est vous-même qui président pays. C'est où pour agir. C'est où pour agir. Maintenant, c'est vrai qu'on vient nous dénoncer le système, non, tout le monde d'accord. Tout le monde dénonce que affaire de contrat, affaire de malversation dans la question de l'État, pas un problème. Mais je dis, comme président de la République, si vous n'avez pas agi, si vous n'avez pas posé action, ou pas, je viens de vous poser des questions, pour que ça, ou même, ou pas agi,
pour ça ou pas poser action. S'il vous plaît, mon président tout. Oui, justement. S'il vous plaît, mon président tout, on peut mettre là et puis me tomber plein là, mon président. Maintenant là nous que gain mandat ça cap circuler sur les réseaux sociaux et que nous-mêmes comme journalistes, comme on cap fait et cap fait information, cap bail information, job nous c'est pour nous vérifier avec commissaire gouvernement est-ce que effectivement il y a un mandat d'amener contre le docteur Reginald Boulos. Et je crois que le commissaire du gouvernement, donc monsieur maître Jacques Guy Lafontaine, l'éclair Jacques Lafontaine, l'éclair sur question. Donc il y a pas de mandat d'amener contre le docteur Reginald Boulos. Ça nous est sur les réseaux sociaux, c'est faux et archi faux. Mais cependant, il n'est pas nié que si il y a une plainte. Plainte contre qui que ce soit, quelle que soit couleur, quelle que soit classe sociale, lui-même, donc l'a intervenu comme commissaire de gouvernement, donc ça me veut que nous clèchons lui. Ok. Pourquoi ça me dit que hier c'était le commerçant qui a parlé, c'était pas le président de la République. Et jusqu'à présent, on a tant d'action président tout. Parce que sous-estimez que je dis à ce président de la République, on est quand on parle national, si. On fait une bonne décision. Entendez ça, Marie. Et que vous dites que on a déploré du fait que moun sa vindou pa gen droit faire ça. Même passer me l'ordre dans bureau là. Mais c'est de carré, c'est bon président, mon pas président. Maintenant on attend que justement réaction du moins mesure qu'on va prendre contre sorte fait comme dénonciation hier. Dans quelle conférence de presse madame monsieur qu'on gagne donc au palais national. Mais toujours, ça c'est pour une bagarre là. Le coup toujours expliquer moun yo que président pas dénoncé ou passer à l'acte. Mais ça fait me dou. Maintenant hier si ça fait un petit peu maintenant tout c'était pas le président qui a parlé, c'était le commerçant. Pourquoi ça c'est commerçant qui parlait hier? Ou quoi ne pas d'accord ça à tout? Et même Jean et les matérialités présidents, à chaque fois ils font bagarre, ils disent bêtises, il y a des gens qui disent c'est artiste là. Donc on parle de ça, qui doit me développer, vous comprenez? Pourquoi ça me dit que hier c'est commerçant qui parlait? Pas oublier que Jovenel Moïse, il était dans le commerce avec Moun Sayo. Que l'a dénoncé aujourd'hui. Que l'a dénoncé aujourd'hui. Et Dieu seul sait s'il pas toujours été dans le commerce avec Moun Sayo. Vous savez, elle dit suivez mon regard là, internet là et réseaux sociaux montrer côté regard là. Ah oui, non, le, il a mis yo. Il a parlé au docteur Reginald Boulos. Dimitri Vob. Il a parlé à Dimitri Vob, clair. OK, ça Moun doit parler. Et Moun crédit a m'a pas connaissé peut-être m'a demandé, m'a chercher connait à qui est-ce que président adressé, OK? Maintenant, Jovenel Moïse comme président de la République, avant de devenir président, c'est un commerçant. Et pour devenir commerçant, il était habitué, vive, travaille avec commerçants qui l'a yo. D'ailleurs, c'est sous base ça que yo même tout comme commerçant. Le financé campagne lui, donc comme candidat à la présidence. Moi même te candidat à la présidence tout, qui a ça donc bon comme. Parce que pas qu'on aime. C'est pas une question de vision d'ailleurs. Grand pile là donc qui pas de quoi dans sa journée Moïse Dabdia, non? Qui soit fait banane, a fait bagaille et nord-est, non? Quand Pilate donc maintenant qu'est-ce qu'on a fait ben bonne vision non. Non c'est opportuniste. Quand Pilate donc qui mettait cob parce que. Yoel Cabon, son commerce en même temps avec yo, yo habitué travailler ensemble avec lui, donc yo vivent avec lui, yo dit mon cher, c'est monsieur qui par nous en nous mettel, donc il nous connaît yo te, donc il m'a changé l'autre, yo te mettel, justement yo te mettait cob là, donc une campagne Jovenel Moïse, et n'a pas plus loin, Jovenel Moïse un président après Cyclone Matou, c'était le seul candidat qui dégainait. Tout bateau dur avec tol ciment pour tal justement bois de bacat pour te suivre donc à Moun Gendas. Ça dit que son commerçant qui t'a vivre avec d'autres commerçants et son diable a dénoncé des commerçants. Alors pas oublier que madame monsieur Jovenel Moïse c'est un frustré de la classe, de cette classe commerciale. Alors, nous comprenons ça. Elle va faire payer. Jovenel Moïse c'est un frustré de cette classe commerciale. Parce que justement, pour être capable de choisir comme candidat à la présidence, il a été humilié par l'équipe de Martelly. Il a été humilié par cette classe commerciale. Et l'Elvin candidat à la présidence, malgré que tu aies pression sur Martelly, même l'équipe de Martelly n'a pas accepté comme candidat à la présidence. Et l'Elvin président, malgré que l'équipe l'a été comme de campagne, il a toujours été le frustré qu'il est parce que. Dans le cadre de sa vision pour changer les choses, il est obligé de venir camper en face classe commerciale ça. Comme classe commerciale la terre ouais, dans Jovenel Moïse, y a un petit nègre. Il y a eu quand même en fait y a une intention raciste de la part de cette classe commerciale. Et de fait, Jovenel Moïse a toujours été traité comme un élément de un élément à part entière, un élément comme Nadou qui pas capable de soigner.
Eh bien, Jovenel Moïse dans son orgueil, c'est parce que je dis à la. Il coupe le contrat avec Negyo. Non, alors il dit le coupe le contrat. Nous pouvons dire qu'on a coupé le vrai. Parce que pour dire, il faut qu'on prouve ou coupe le vrai. Pour quel contrat que le coupe, par exemple, question route qui était 1 million et 100 000 dollars par kilomètre là, il vient du là, 115 000 dollars. Et question, qui l'a encore? Question à faire courant. Côté que le gars était tellement fast à faire courant. Donc c'est nos batailles liées. Nego dit, ça passe, monsieur là, qui est souillé? Nous t'as dit, Lucien, dans l'émission, on attendait pas, oui. Là où il venait à faire courant, il faut qu'on fasse allusion à lui-même. Yeah. Technicien qui met projet courant, il était critiqué président. Ouais, déjà, oui, c'est vrai. Parce que projet le gagne. Il fait quelques minutes à parler avec le président. Correct. L'el temps de président parler, c'est pas pour gel quel gain. Et le jour où j'étais osé. Correct, oui. Parler de projet ça. Parler de ouais, ça. Ouais. Ça lui dit position président pas uniforme à projet là. Et puis il évoquait. Mais très bien, il évoquait. Monsieur évoquait. Très bien. Il évoquait. Mais t'es bon, dis-nous, madame, monsieur. Nous confus ça sur qui là. Maintenant, je dis, m'a pas nous menti. On a pas les piles ou une analyse là. On a regardé tout, oui, est-ce que c'est ma diversion Jovenel Moïse a fait sous question nouvelle mission politique Nations Unies dans le pays. On a regardé. Ou capitaine de discours. Monsieur, jusqu'à présent, on a regardé. On a regardé. Ok. On a regardé. On a entendu autant de discours. Président a annoncé mission. Il va annoncer le discours. Non, écoutez. Ah, oui. Non. Il va annoncer le. Non. Non. Ah bon? Il va annoncer le. Ah en bon? Termes de communication, on va mettre dans tout. Ah bon. Je dis en importance. Mission politique Nations Unies. Tout le monde était focus sur la question de voyage Jovenel Moïse aller. Mais pas de monde, je dis, qui était focus sur la mission politique Nations Unies. Que peut-être seul matin débat, jeudi, mercredi, 16 octobre, qui ouvre genoux sur lui. Parce que madame, monsieur, en tout voyage Jovenel Moïse aller avec ça, nous avons la commission politique qui est plus grave. Nous perdons du pays, je dis là. Est-ce que c'est ma diversion, Jovenel Moïse fait hier, pour craser le 17 octobre là? Ok, sous question mission Nations Unies, mission politique là, je dis à qui dérapé, je dis à dans le pays. Allez, premier bagaille. Deuxième bagaille que Jovenel Moïse fait, hier. Jovenel Moïse crasé bataille là dans mes oppositions. Il résume bataille là qu'on y a en question de Reginald Boulos avec Dimitri Vob. Mais il a tenté ou bien le cas? Non, mais il résume. Il a tenté. Mais écoutez, mais il tente. Il résume. Oui, il tente, mais il ne va pas craser. Mais il résume, je dis là. Maintenant, j'espère que les oppositions comprennent ça. Parce que l'intervention de Jovenel Moïse, comme président de la République, il a attaqué l'opposition. Il vient mettre toute équipe opposition de côté. Il vient montrer clairement que la bataille a mené. C'est pour mettre la peine, il n'y a Kato, ni à Nenel Kassi, ni à Youla Tortue, ni avec Assad Bolti, ni à Maurice Chachal, ni avec que sais-je encore, Ricard Pierre. Ok? C'est donc, avec ses pères. Ouais, justement, il montre que Jodi a battu la peine, c'est avec Reginald Boulos et Dimitri Vob. Comprenez bien, oui? Maintenant, est-ce que l'opposition parle assez intelligente? Puis vous comprenez ça? Parce que Jodi a. Nous avons intervention, docteur Reginald Boulos, ce soir, et sous Zénith. Intervention, Dimitri Vob, ce soir, sous Zénith. Est-ce que je dis à Reginald Boulos, papa, pas quitter sa passé pour Jovenel Moïse? Est-ce que Dimitri Vob, pas quitter sa passé pour Jovenel Moïse? Et si ni Reginald, ni Dimitri arrivent à composer avec opposition pour mettre deux Jovenel Moïse à terre, qui est-ce qui va gagner pouvoir dans le pays? C'est Dimitri Reginald qui va gagner pouvoir, c'est pas opposition, non? Vous pouvez parler d'un temps. Est-ce que vous comprenez bien? Si Dimitri Vob avec Reginald Boulos, j'entends de vous parler hier dans Zenit. Vous dites pas qu'il y a un bagage comme ça. Yes! Vous parlez de Jovenel Moïse réponse. Et de fait, vous arrivez à composer avec composition. Vous mettez deux Jovenel Moïse à terre. Jovenel Moïse t'a fait du pouvoir demain matin. Qui est-ce qui va parler de Nenel Kassi pouvoir? Qui est-ce qui va parler de pouvoir avec Maurice Chachal? C'est Reginald Boulos. Avec Dimitri Vob qui va bailler au pouvoir, oui. Et c'est pas ça, non, position homme intelligent. Mon frère. Donc, c'est pas alors, sa position. Excusez-moi, c'est mais, pas. Mais pas blé, nous n'avons pas dit. Pas prêté là-dedans. Non, je comprends, je comprends. Mais on compte ça, gain. Pour toujours gagner force dans la politique, il faut qu'on compte ça pour faire pour toujours gagner force. Vous mettez pas les. Non, mais pas d'un. Attendez, mais pas d'un. Pas faire cadeau ça. Écoutez, non, mais vous mettez faire cadeau. Parce que, écoutez, madame, monsieur, première émission qui fait. Qui m'a demandé démission, Jovenel Moïse et Martin Liban, songez. Ouais. Gabriel, on ne peut pas le tenter dans le pays là. Première émission qui m'a demandé démission, Jovenel Moïse et Martin Liban. Et ceci 6 mois avant que tout le monde vous nous recueille, effectivement, il faut que Jovenel Moïse démissionne.
et c'était Martin Débat. Alors, attendez, émission Martin Débat. Première émission qui mandait Jovenel Moïse démissionner, c'était Martin Débat. Et me proposition ça clair dans Martin Débat. 6 mois avant que tout le monde vienne demander démission Jovenel Moïse, c'est ici en défaire ici dans Martin Débat. Nous sommes en politique. Maintenant que dans l'opposition, messieurs dames opposition comprennent ça. Parce que si yo pas joué bien, parce que je dis à la, qui intérêt Dimitri va gagner avec Dr. Regina Boulos pour mettre tout paquet en face de Jovenel. Merci beaucoup, continuez. Continuez rapide. Qui intérêt yo gagner jodi là puis pas déchouquer Jovenel. Continuez rapide Louko. Maintenant, remarquez bien, moi même pas parler des discours parce que jusqu'à présent moi pas attendel. Moi pas attendel, moi pas gagne chance pour attendel. Maintenant, bon me dire un bagaille. Moi, si je dois faire confiance, pour qui ça ne peut pas faire confiance à ça, Louko dit, hein, que le président acculé, il y a deux businessmen dans le pays hein, que il prend. Non, mais il dans tout discours. Boulot, oui, même beaucoup de temps. Mais même à partir de son dit. Trois secteurs. Oui. Secteur qui a une question crédit dans le pays. Secteur route avec secteur lourd. Secteur matériel lourd avec secteur lourd. Map DAP à son dit. Normalement, depuis président prend deux businessmen ça yo li gon grain bagay li fait li voyer deux businessmen ça yo al met tête ensemble mais pas même ça non non écoutez moi ou dit deux moun ni cité s'il prend deux moun ça yo li voyer yo al regrouper ensemble très bien mais pas même ça non. Non, alors, c'est l'autre tu as venu après. C'est d'accord, mais presque d'accord. Comme même deux mouns à eux. C'est presque d'accord même que Jovenel Moïse ignorait l'opposition. Hein, dans son ensemble. Non, non, ignorant. Non, moment. Oui, non, moment, la paléa. Alors, non, moment, la paléa. Ouais, si vraiment ouais. Il y a les deux noms à eux. Ouais, c'est eux-mêmes. Automatiquement, ça vient la bataille. Il y a appelé eux. Correct. Pour eux goûter ensemble. Voilà, très bien. Alors, mais comparé à tout, pendant qu'on a parlé de ignorer. Faut moi dire nous tout, li ignorer souffrance peuple là tout. Oui. Li ignorer grand groupe peuple là tout parce que li gon côté il dit misère que nous prétendent que nous y a. Parce que li pas dit misère nous y a non, mais situation difficile nous y a non. Mm-hmm. Nous penser nous y a. Ça veut dire grand groupe qui que nous n'a tout monde a parlé dans pays là, c'est notre tête moun yo yel, Jovenel Moïse pas connait. Ah bon? Donc, parce que l'idée, ça c'est oui, écoutez. Dans une situation difficile où pensez-vous hier? Donc si vous dites pensez, ça veut dire que c'est pas une réalité. Oui, bien que les reconnaître que ça qui gagne dans la rue, yo légitime, les reconnaître. Ou après tout que lui présenter sympathie, avec condoléances à tout le monde qui victime, que ce soit dans le cas faire business, que ce soit dans question monde qui dit monde qui mourir, reconnaître ça. OK. Nous capable peut-être entrer dans que le responsable. Oui, nous capable reconnaître, nous capable entrer dans partie ça, peut-être dans faire analyse là. Et je dis à nous analyser. OK, maintenant qui intérêt Dimitri Vop gagne aujourd'hui avec docteur Regina Boulos pour pas mettre tête ensemble plus mettre tête avec l'autre allié que au gagne yo pour déchouquer Jovenel Moïse qui intérêt gagne yo gagne intérêt fait parce que président Jovenel Moïse attaque yo frontalement on regarde les résultats pour nous madame monsieur non il a gagné assurance oui ah qui est ça non Jovenel Moïse non qu'est-ce qu'il a sur ça non président. Ah mais c'est, non c'est la dernière nouvelle là. Les gars doivent comprendre. Non mais c'est troisième partie en arrière. Ah ok ok. Ah oui. Ok. Comment le mieux madame monsieur? Comment le mieux? Maintenant, la sortie du président Jovenel Moïse quelque part, elle a été discutée avec des mounes quand même. Parce que sortir ça comme mon président, qui gagne un chapeau de commerçant, pour attaquer des commerçants pareils, qui se zamil ou bien qui te zamil. Ou bien qui te finance la campagne li, pour attaquer des mouns, pour dire pays a clairement que c'est mouns qui empêche pays à marcher, qui empêche le gouverner. Quelque part, cette sortie a été planifiée quelque part. Donc, bon aval que je viens. Et m'koye encore matin, m'a baillé une consultation gratuite à ceux-là qui font de la politique en face de Jovenel Moïse. D'abord, l'opposition. L'opposition qu'on est que je dis, Jovenel Moïse pas reconnaître comme opposition. De connaître que c'est Regina Boulos avec Dimitri Vop qui est opposition pour lui. Qu'on y a opposition, il y a pas qu'on est qui on va arranger yo. OK, pour ni Regina Boulos ni Dimitri Vop pas bray yo. Parce que je dis ni Regina Boulos ni Dimitri Vop qui intérêt composé avec allié yo pour déchouquer Jovenel Moïse dans pays. Et si on arrive faire c'est Regina Boulos avec Dimitri Vop qui va le pouvoir.
OK, ça y est, premier parti. On allant l'autre parti. Si Jovenel Moïse fait intervention ça, Jean que le ta l'aise pour le défaire là, pour le démonter des moun dans pays, pour le dénoncer des moun dans pays parce que vous êtes quand que le concert en assurance. On garde dans qui ta mine l'ifel. L'ifel le 15 octobre 2019. Et maintenant nous aller qui ça, résolution 2476 Nations Unies, et ça fait de dire que et pas sans raison que nous dérale les résolutions. Et de tout que toute analyse qui va faire Jodia, c'est sous base résolution ça. Résolution 2476 là, qui vient faire de Jovenel Moïse son assistant président de la République. Parce que Jodia, le président de la République, elle est Madame Hélène Delalime, coordonnatrice du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. On a le bureau pour nous, ça qui va passer dans le pays. Préparez-nous, ça qui va passer dans le pays. Soit suivre l'analyse, ça qui va passer dans le pays. Bataille la fête dérapée. Donc demain matin, Zimbé dans le pays, demain matin 17 octobre, Zimbé dans le pays, Reginald Boulos va mettre tout à fait net à terre. Dimitri Vop d'ailleurs, il dit hier soir, il dit que tout businessman bah elle, yo, ferme porte rideau la caillou. Parce que demain, Zimbé. Et Dimitri Vop classe sous question tout demain. Et mais ça qui va passer. Jovenel Moïse, s'il te connaît, t'as démissionné. D'ailleurs, on voit que Jovenel Moïse dit comme président. La bêtise. Jovenel Moïse dit